Bonjour, c'est Pamela. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tuto de page pour Graffiti Girl. Je vais tout d'abord vous présenter les produits que j'ai utilisés. Donc j'ai utilisé le pochoir Attention ça tâche ainsi que fleurs, puis les planches de tampons Zing Zing, Ink, Distress et Champêtre. Pour les dies, j'ai utilisé Basic World 2, Négatif et Tic Tic. Pour les Distress Oxide, j'ai utilisé Squeezed Lemonade, Broken China et Black Soot. Puis pour mes embellissements, j'ai utilisé les étiquettes et les papiers Un jour une vie ainsi que les stickers et enfin les planches d'étiquettes thème photo. Pour commencer, je fais une bande à la verticale, puis je mets du papier pour me faire une bande bien définie pour que je puisse tamponner sans dépasser. Une fois fait, je vais prendre mes papiers, puis je vais mater ma photo. Je cherche ma mise en page, puis une fois fait, je trouve qu'il me manque un peu de fleurs, alors je décide d'en rajouter un petit peu. Entre chaque morceau de papier ainsi que ma photo, je mets du carton pour que tout soit en 3D. Maintenant, je vais tamponner avec la même encre que mon fond, puis je vais rajouter un peu d'eau sur mon tampon. Si vous trouvez qu'il y en a trop, n'hésitez pas à essuyer. Vous aurez un joli effet tampon aquarelle. Maintenant, je vais faire des motifs avec l'encre noire et le pochoir Attention ça tâche. Attention à ne pas dépasser, sinon vous aurez une barre droite et ça ne fait vraiment pas joli. Une fois le tout assemblé, je colle et je rajoute mes derniers détails. Afin de pouvoir positionner mes rivets, je fais une marque à 9 cm du bord droit ainsi que 4 cm du bord haut. Puis ensuite, je vais passer mon ruban pour faire un joli nœud. Je colle également un mot à la verticale, puis je colle des petites fleurs ainsi que des demi-perles. J'ajoute également pour mon porte-étiquette des attaches parisiennes.
Je trouve que c'est un peu trop net à mon goût, alors je rajoute quelques petites taches d'aquarelle avec les Distress. Bien entendu, je n'oublie pas d'ajouter quelques petits mots étiquettes qui sont juste parfaits pour toutes nos créations. Je mets ma petite touche finale, des petites taches avec la planche ink ainsi que des crystal drops. Voilà, la page est terminée, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto, bye bye !